J'ai un troupeau d'environ 180 brebis depuis les années 80. Alors pour faire du fromage, on commence par la traite. Il y a deux traites par jour, une le matin, une le soir. Ensuite, on descend le lait à la fromagerie, on l'emprésure, on le casse et on le met en boucillier. Toujours. Laisse égoutter jusqu'au lendemain. On le sale une fois, une première face. On le sale une seconde fois, la deuxième face. Ensuite, il va en salle d'affinage pendant une trentaine de jours et il sera consommable au bout de 30 jours. Le domaine de la Sourbe, c'est 20 hectares sur la commune d'Ajaccio. Principalement planté en cépage corse, chacaril, nielouch, et d'autres cépages qui sont le grenache, le carignan. Les vignes ont été plantées par mon père en 1973-74. J'ai repris donc le domaine en 83. Depuis cette année-là, on est resté en coopérative jusque dans les années 95-96. Depuis 2002, on vinifie nos raisins et on fait notre propre vin.
sur un assemblage de 70% de Chacarello et 30% de Grenache. Donc ça fait des rosés un petit peu clairs en bouche avec un nez agrume un peu. C'est très particulier le Chacarello. Le Chacarello, ça a toujours un nez sur les agrumes, le cédra en fait. Très agréable au nez. Bon, c'est un peu froid, mais bon. Ouais, hein. Sympathique. Ça fait des vins assez légers en bouche. Mmh. Hein. Bon, c'est des vins alcooleux, hein. Ça fait 13 degrés, donc c'est des vins pour faire du gras, il faut qu'il y ait de l'alcool. Hein. Autrement, ça fait pas de. Ouais. Sympa. Très bien. Ouais. Ouais. Beau travail. Alors là, on est sur un rouge avec un assemblage de 65% de Chacarello, 25% de Nielouch et un petit peu de Grenache. Donc ça fait des rouges un petit peu clairs, assez particuliers, avec une robe, vous voyez la couleur, un peu rubis. Mais ça fait des vins très très clairs. Donc il y a un petit côté épicé, un petit côté poivré qui prend la langue, là, comme ça. Après, ça fait des vins légers, c'est très léger. Hein. C'est, bon, mais en degré très, aussi, non? C'est 13,5. 13,5, pareil. Hors taxe, comme d'hab. Hein, donc, ça va très bien avec le gibier, puisqu'on parle de chasse, ça va très très bien avec le gibier, avec tout ce qui est... bon, nous, on fait du sanglier, ça peut très bien aller avec du chevreuil, avec des civets. Moi, j'ai des clients... J'ai pas mal de clients sur les régions que je fais qui me disent avec un civet et tout. Et j'ai découvert quelque chose, c'est... Alors moi, j'ai jamais essayé, mais c'est les tagines et les couscous. Pourquoi? Parce que le côté épicé, en fait, va très bien avec le côté... Alors, un tagine de poulet, il y a un côté sucré-salé, voilà. Tout oui, ça c'est bien, voilà. On n'a pas, nous, on n'a pas la culture de ça, mais effectivement, mais... Alors aujourd'hui, on a évolué un peu dans nos projets, parce qu'on a un projet de cave qui va être là sur le domaine, là au milieu des vignes, un peu sur un endroit un peu plus loin. Et j'ai mon fils qui a fini ses études et qui va venir travailler avec moi, qui va reprendre le domaine dans les années à venir. Nous sommes à Ajaccio, je vais vous présenter le cornichaule, la petite corne, couteau de berger traditionnel, issu de la tradition agro-pastorale. Je vais donc réaliser devant vous un cornichaule, étape par étape, en vous montrant les différents modes de fabrication de la corne, de la lame, etc. Donc là, on a fini la pointe de façon à pouvoir, après avoir fait les entablures, commencer à faire les moutures, à fonger les moutures. À l'aide du gabarit, je vais donc tracer la forme du manche. C'est une corne de bélier. Donc voilà, tout simplement. Et on va détourer suivant le tracé.
Agosto nessa filho e quando sou atormentado ele me bilha per amar. Les différentes étapes de fabrication du cornichaul, je vais vous présenter la fabrication, les diverses fabrications de l'atelier du couteau. Ici donc les cornichauls, les stylets, les couteaux de cuisine forgés, les épées, les sabres japonais, etc. La gamme chasse, notamment avec les collaborations avec mon ami Gaëtan Beauchamp de Québec qui s'occupe aussi des scrimshaws. Une autre très belle collaboration avec les célèbres établissements Arnès du Moulin, armes de luxe. Grand couteau de chasse, donc, Damas Sandwich, manche en noyer, issu des crosses des fusils du Moulin et gravure de la garde de Jean-Marie Smet. Et pour terminer, la gamme Safari, élaborée sur les conseils de Franck Maes, guide de chasse en Afrique. Un couteau qui se porte devant soi. Une transition très rapide du couteau et des munitions. Alors ça, c'est pourquoi? Ça, c'est la crosse réglable. Morphologiquement, tu n'es pas fait comme moi, d'accord. Tu n'es pas fait comme monsieur, d'accord, tu n'es pas fait comme lui. Alors, quand tu vas chez un tailleur, il te prend un coupon de tissu, puis il te fait un costume. Toi, c'est pareil pour le fusil. D'accord. C'est la même chose exactement. Tu prends un fusil, après tu te l'adaptes. Et Browning et d'autres marques ont fait maintenant la crosse réglable que j'avais inventée en 1979. C'est toi qui as inventé ça, c'est formidable. Oui, c'est pareil sur le 150 Browning, il y a maintenant 40 ans. Ouais. Et maintenant, toutes les armes de chasse, enfin, de compétition. Ah, de compétition. Le busque réglable. Son busque réglable et tout. Il y a même les détentes réglables, tu peux les avoir. Ah, d'accord. Oui, mais là, il n'y est pas, mais on se perfectionne au maximum parce que. Oui, bien sûr. Étant donné que les disciplines deviennent de plus en plus difficiles, et puis, si tu veux, le grammage des plombs a beaucoup changé. On dirait 36 grammes il y a 40 ans, mais après on est passé à 32, après on est passé à 28. D'accord. On est toujours à 28 dans les disciplines FFT, mais on est à 24 grammes. Ah bon, dans les disciplines olympiques, c'est 24 grammes, je vais te dire, 24 grammes, ça te fait... Ça fait plus grand-chose. Ça te fait pas beaucoup, ça fait des plombs en moins. Alors on s'adapte le plus précis possible. On se rapproche le plus possible de la précision. Et comme il faut que la joue soit toujours appuyée bien, d'accord, comme il faut, donc il faut que tu peux te la régler dans... Tu as le pitch, tu peux te le régler un peu comme tu veux. Voilà. C'est une bonne chose. Carlo, je suis content de te connaître d'abord. Et puis, j'aime toujours quand un jeune se lance dans quelque chose que je connais bien, parce que ça a été presque 50 ans de ma vie. Ouais. Donc, c'est une très bonne idée que tu as. Et je pense qu'ici en Corse, il y a beaucoup à faire dans ce domaine, car il n'y a pas tellement d'armuriers, finalement. Il y en a dans les grandes villes, mais bon, là, c'est un peu en sortie de la ville. Et tu as bien fait de faire ça. Je connais bien la question. Bon, là, maintenant, tu es dans les armes lisses. Oui. Les armes lisses, fusils de chasse et tout. J'espère que tu vas pouvoir, parce qu'il y a quand même un marché que de l'armurerie, c'est pas simplement la chasse. Il y a les tireurs également. Voilà, aussi la FFT, c'est-à-dire la Fédération Française de Tir, qui comprend des disciplines d'armes de poing, d'armes rayées et tout ça. Et à partir de ce moment-là, il faudra que tu aies bien sûr tout ce qu'il faut pour pouvoir. Maîtriser et surtout protéger les armes que tu vas avoir, qui vont être des armes de poing de calibres différents. C'est ça qui est un petit peu plus difficile.
Mais il y a beaucoup de stands qui fonctionnent ici en Corse aux armes rayées, c'est-à-dire en Fédération Française de Tir, parce qu'il y a deux fédérations, Française de Tir et Fédération Française de Baltrape. Fédération Française de Baltrape, tu vas avoir affaire à tous les armes lisses, ouais. Qui sont des armes de chasse, qui servent pour Baltrape. Et après, tu as la FFT, tu vas avoir affaire à toutes les armes rayées qui servent pour la discipline. Il y a 30 ou 40 disciplines, c'est beaucoup. Ici en Corse, il y a beaucoup d'adhérents, mais ça marche très bien. Nous avons de bonnes équipes dans les deux fédérations. Et bah écoute, voilà, moi ça me fait très plaisir que tu t'installes et je te souhaite tout le bonheur et surtout le résultat que tu espères, j'espère. Et puis va de l'avant, tu es très jeune, Carlo. Moi c'est Michel, je suis un peu moins jeune, mais disons que j'aime bien quand quelqu'un se lance dans quelque chose qui a été un peu ma passion, donc ça m'intéresse. Voilà, je te remercie. C'est très gentil d'être venu et de m'exprimer tous ces voeux de bonheur, de réussite à venir. Voilà, j'espère que tu feras un bon bout de chemin et puis ben, ma foi suivra. C'est très intéressant. Le tir, c'est assez passionnant. C'est l'expression de soi-même par rapport à quelque chose qu'on projette. Donc c'est passionnant. Moi, ça m'a passionné un peu. C'est pour ça que j'en ai fait un métier. Donc voilà, maintenant j'arrive au bout. Et ben place aux jeunes. Tu vas en avant. Merci. Vas-y bien. Le coursine, ou le mot coursine, vient du langage populaire qui veut dire chien corse. Voilà, ce chien est en Corse depuis le fond des âges. Il a été amené jusqu'à nos jours grâce aux bergers, aux éleveurs. C'est en fait un chien de travail. À l'époque, donc dans le temps, on n'avait pas le sport de la chasse. Et donc obligatoirement, les chiens servaient uniquement à travailler. Il était également membre de la famille. Il servait à garder la bergerie, la maison et les troupeaux, contre les prédateurs principalement. Depuis sa reconnaissance, cette race donc, a un standard. Dans le standard, il y a 7 couleurs reconnues. On part du fauve, sable, jusqu'au noir pratiquement, bringé ou pas. Dans les années 50-60, des apprentis sorciers ont voulu mélanger cette race avec divers apports continentaux et étrangers, et on a failli carrément perdre la race. Et donc on a pu sauver cette race grâce à la création d'une association, la sauvegarde du chien corse, qui plus tard est devenue le club du coursine. Et grâce aux efforts de tous, on a pu amener le chien jusqu'à la reconnaissance nationale. Et maintenant, donc, on recherche bien entendu la reconnaissance internationale. Nous avons réussi à avoir un tan polyvalence pour ce chien. C'est une première mondiale. Alors, ce chien a de nombreux admirateurs et maintenant donc, sur le continent et dans les pays voisins. Et on voit se développer des éleveurs. Les éleveurs un peu foisonnent sur le continent. Et ils réussissent à produire des beaux spécimens. La particularité et l'avantage de ce chien à la chasse, c'est qu'il revient toujours vers son maître. Donc on ne peut pas le perdre. Et c'est un avantage pour les fins de chasse où tout le monde cherche ses chiens beaucoup plus loin. Et lorsque nous sommes à la chasse avec nos coursines, s'il ne rentre pas dans la soirée, c'est qu'il y a eu un accident. Donc voilà, nous voici dans mon atelier. Je travaille sur différents instruments à vent traditionnels de Corse et autres instruments à vent traditionnels du monde. Donc aujourd'hui, je travaille sur un instrument vraiment typique corse. Donc un instrument qui s'appelle une flûte qui s'appelle la pivana. Donc la pivana qui est une flûte que faisaient les bergers en Corse il y a très très longtemps. Donc dans des cornes de chèvre. Voilà, donc ils en jouaient ensuite pour accompagner le troupeau, le soir pour les fêtes ou voilà, différents moments de la vie. Voilà, je vais vous jouer une petite improvisation maintenant de la pivana.
Voilà, donc c'était une petite improvisation avec une petite corne de chèvre. Vous allez voir donc les modèles, les plus gros modèles, donc on obtient des sons plus graves, plus doux. Voilà, depuis 5-6 ans, on n'a que du porc austral. Il faut savoir que bon, le porc austral, il est beaucoup plus. Il est à croissance lente. Donc, c'est des cochons qui vont avoir, quand on les tue, 16 mois, 17 mois, 18 mois d'âge. Ils coûtent beaucoup plus cher. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la viande, elle est bien meilleure qu'un cochon qui a 5-6 mois d'âge, comme certains peuvent les faire venir. Hein. Et puis après la viande est rouge, la viande a tout pour elle, elle est mûre, et donc on n'a besoin de rien, du sel et du poivre, c'est tout pour faire une bonne charcuterie. Voilà. Après, il y a des connaisseurs, et puis il y a qui le sont moins, qui les gens ont perdu le palais, les gens n'ont plus le goût de bonnes choses, mais je pense que tout le monde va y revenir tout doucement avec un produit comme celui-là. On a tout pour nous, pour gagner. Bon, c'est vrai qu'en Corse, 90% de la charcuterie, je crois, ou 80%, c'est de la charcuterie qui vient du continent, avec de la viande. Mais je pense qu'on a notre épingle, même si c'est dur au début, c'est très dur au début, parce que bon, le jambon, on le garde un an et demi, même 2 ans, voire 2 ans, pour qu'il soit encore meilleur. Et donc c'est pas facile, quand un cochon comme ça, on gagne pas grand-chose, dans le sens où il y a beaucoup de gras, moins de viande, donc c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais je pense qu'on va s'y retrouver par rapport à la qualité de la viande. Et ben la Boulagne, pour parler de la Boulagne, entre autres, en plus du lons, de la coppe des jambons, il y a la Boulagne et la pancetta. La pancetta, c'est le ventre, tout le monde connaît. Mais la Boulagne, les gens la connaissent moins. Je ne sais pas si sur le continent, elle se vend comme ça, comme on l'a fait nous. La Boulagne, donc, c'est la joue, et c'est le seul morceau du cochon qui est sucré. Donc c'est tout simple à faire, la Boulagne. On met du sel, en 2 jours, 3 jours, ça dépend des régions, ça dépend des goûts des gens. Et puis après, elle est accrochée à fumer, et peut se conserver un an, facilement, comme rien, voilà, comme rien. Et c'est un morceau qui est hyper délicieux. Les gens parlent de la pancette, la panse. Ils trouvent que c'est bon, en fait, le bacon qu'on appelle. Hein. Mais la joue est particulière. Celui qui a goûté la joue une fois, même fraîche, hein, le jour là-bas, le jour après, elle a ce goût sucré et qui reste collé sur les coins des lèvres. Et c'est particulier, c'est vraiment, vraiment particulier. Voilà.
Orge, oh, ça me fait plaisir aujourd'hui de te voir à la chasse. Tu n'es pas à la pêche aujourd'hui? Et non, Marc, la pêche est fermée maintenant. Maintenant, c'est la saison de la chasse. Bon, tu sais bien qu'un de mes plus grands plaisirs, c'est d'aller taquiner la truite, la nôtre, celle qui est endémique à notre île depuis 15 000 ans, c'est-à-dire la Salbo truitra macrostigma. Même le nom est difficile à dire. Hein. C'est une truite absolument exceptionnelle. Je ne sais pas si tu te rends compte, 15 000 ans, endémique à la Corse et à la Sardaigne depuis 15 000 ans, c'est énorme. Et c'est vrai qu'elle est tellement belle avec ses points rouges, avec elle est sauvage, elle est vraiment différente des autres fario, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand tu prends une macrostigma dans les mains, c'est vrai que tu as le cœur qui bat sans l'heure. C'est quelque chose d'exceptionnel. All'orlo di vita, chi serra domani per un popolo smarrito, e piga nera e sanguinosa che ha strappata in petto ai nostri fratelli l'amore. Allora mai smintigati sta sente nostre oggi sta senti da violi risenti si lamenti affondati e fa chi domani salotta principiata troio senso di verità studiata più che mai senza essere sconsolata amore di sempre amore di una mamma quello che si cerca per la sempiterna Aujourd'hui, petite battue au-dessus du massif du village de Castifa, qui se dénomme Aousk. Alors, comme d'habitude, quelques consignes de sécurité. Donc, les chefs de ligne, Martin, ici présent, plus Marc, vont vous poster et vous déposteront à la suite. Donc, on va, bien sûr, au poste, fusil déchargé, on charge au poste, et on respecte correctement l'angle des 30 degrés. Autre chose, attention, dans la battue, il peut y avoir des cerfs, et vous savez que c'est plan de chasse zéro, allez pas me
me faire un cerf au tableau, parce que là, on aura des petits soucis. Hein. Rien du tout, le Père Noël, ça craint. D'accord. Bon, Papa Noël, il va vous ne bougez temps. Pas des postes tant que le chef de ligne ne vous déposte pas. Les traqueurs vont sortir dans tous les cas au poste. On sort, les traqueurs sortent au poste. Donc tant que vous ne voyez pas un traqueur, vous... Ah, et puis les traqueurs, c'est ceux qui sont habillés orange, il ne faut pas tirer dessus non plus. Bon, ils gueulent, normalement. Bon, ils gueulent, c'est normalement, ils gueulent, mais bon. Merci. À ne pas faire. Donc, c'est une belle battue, la journée doit être bonne, en espérant que Saint-Hubert soit avec nous, et qu'il y ait quelques sangliers dans la battue, mais ça, je pense que ça devrait le faire. Bonne chance. Hein, visez la tête, vous aurez peut-être la queue. Et après, on se retrouve tous ici pour partager un petit morceau de pain et tout le reste. D'accord ? Allez, bonne chance. Hein, tiens, parce que là, tu me mets le fusil, là. Ouais, mais ouais, mais il a le fusil. Là. Qui ? Je suis calme. Ouais, là. C'est bon, là. Après, il en faudrait un autre. Tu restes là, toi ? À la place du pauvre Jeannot. Alors, dis à Damien qui reste là. Ouais. Il est dit, là, il est. Oh, Marc ! Marc ! J'arrive bien, le prochain, il est au chêne. Oui, oui. Au prochain, non, pas. Tu vas regarder, oui, oui, oui. Tiens. Parce que si il est là-bas, on finira les roues. Là, c'est le meilleur moyen de couvrir les deux. Mais des fois, il descend même derrière. Barco, mour, ou ce soir. C'est comme ça, il passe. Voilà. Donc, je vous y mettez en tapé, vous ne pas y avoir. Voilà, coupez les deux postes. Voilà. Coupez les deux postes, il faut dire. Parce qu'il monte. Mais, oui, toi, il monte là. Bon, moi je passe, je vais voir où ils sont. C'est bon. On est fatigué. Là, Jean-Paul, tu as fait fort, hein. Ouais, bien tiré. Bravo. Ton premier sanglier en Corse. Eh ben oui, c'est la première fois que je viens. Eh ben, félicitations, hein. C'est mon premier voyage, en Corse. Allez, c'est grâce à moi que tu as tué. Hein. Ah oui. Si je le tire pas, hein. Ah, si je le tire pas, il bouge si pas. Si je le tire attention pas, le gauche, attention la poche. C'est grâce à moi, hein. Attention la poche, le gauche. Eh oui. Ah bon. Ouais, où est Rado? Je touche pas, il y a la branche. Tu étais. J'ai tiré, moi. Ah, tu... Ah oui, j'ai monté. Ah, c'est fini, le gamin. Oh, tu as un paratira. Attends, il y en a encore un qui arrive.
Ah, il y a une parachute. Attends, tu vas rattraper. Je te porte une bazooka. C'est comme ça que tu vas l'attraper. Hein, Omar ? Attends. Je te jagote. Nous avons une île bénie des dieux concernant cette espèce sauvage à la Corse qui est détruite macrostigmat. Et puis nos sangliers aussi qui sont merveilleux. Et voilà, donc je suis très heureux d'avoir passé 2 jours avec toi. Moi je suis chasseur de castifat, mais dimanche j'étais invité à Madre là. Voilà, un beau territoire de chasse là. On a fait une belle battue. Mais hier c'était chez moi à castifat. On s'est bien amusé quand même, hein. Tu étais... Absolument. Voilà. Aujourd'hui aussi, on s'est bien amusé, on a tué 4 sangliers. Voilà, un beau territoire de chasse. Madre. Mais toute la Corse est belle. Concernant la pêche ou la chasse, c'est une île bénie des dieux, encore une fois, je me répète. C'est que nous sommes dans une île exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a tout pour être heureux ici. Voilà. Ce matin, il y a eu quand même une belle menée de chiens. On a tué quand même 4 sangliers. Je crois qu'il n'y a pas eu 5 minutes où on n'a pas entendu les chiens. Non, ça ne s'est pas arrêté. C'est vrai. Ça a été exceptionnel. On s'est vraiment bien abusé. Bon, c'est vrai que nous avions des piqueurs à la hauteur aussi, des gens bien organisés par les jumeaux qui sont vraiment des gens merveilleux. Une bonne petite équipe de Madre. Et puis tu as vu à midi, ils nous ont préparé un bon petit repas. On va bien manger. Donc ce sont des gens absolument. La convivialité. La gentillesse, il n'y a que des qualités. Et voilà, c'est un petit peu ce qui reflète la Corse en règle générale. Yeah.